Vous avez un gamin qui avait 7 ans, 8 ans, qui vous regarde dans les yeux et qui dit « Je suis un sorcier, j'ai mangé mon petit frère. » Comment t'as mangé ton petit frère ? Je lui ai mis une bouteille dans le ventre. Et comment tu as mis la bouteille dans le ventre ? Par des moyens mystiques. C'était il y a 25 ans, c'est la première fois que je voyais une chose pareille et j'étais complètement étonné parce que ça allait à l'encontre de tout ce qu'on avait appris à l'université. C'est-à-dire, vous aviez un enfant qui... c'est un enfant qui m'avait été amené parce qu'il avait été brutalisé et c'est comme ça qu'il avait été repéré. Il avait été brûlé avec un fer à repasser et donc signalé, amené à l'hôpital et on nous l'a présenté et c'est les parents, finalement, ont fini par avouer qu'il l'avait brûlé. Ça, dans la région parisienne. Hein. Ah, c'est à Saint-Denis, ça. Quand on leur a posé la question, mais pour quelle raison ? Et ils ont dit, mais c'est parce qu'il a mangé son petit frère. Et donc, je dis, comment ça, il a mangé son petit frère ? Je demande à l'enfant, vous avez un gamin qui avait 7 ans, 8 ans, qui vous regarde dans les yeux et qui dit, je suis un sorcier, j'ai mangé mon petit frère. Comment t'as mangé ton petit frère ? Je lui ai mis une bouteille dans le ventre. Et comment tu as mis la bouteille dans le ventre ? Par des moyens mystiques. Le gamin, il a 7 ans, il vous regarde comme ça et il vous dit ça. Il n'est pas fou, il délire pas, et c'est parmi, dans sa famille, c'est le plus intelligent et c'est celui qui réussit le mieux en classe. Tout de suite, vous avez compris qu'il n'était pas fou, qu'il y avait autre chose ? Ah bah oui, je me suis dit, là, il y a un autre problème, c'est une autre question. Il y a eu un développement anarchique de cette sorcellerie, c'est une sorcellerie qui devient folle en quelque sorte. Oui, nous sommes sorciers, nous allons danser près de la rivière. On danse toute la nuit. Tu as déjà vu le diable ? Oui, j'ai déjà vu le diable. Où est-ce que tu l'as vu ? Je l'ai déjà vu la nuit, là où je danse pendant la nuit. Toby Nathan, c'est exactement ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Hein. Oui. On ne dit pas seulement qu'ils sont sorciers, ils le disent eux-mêmes. C'est ça qui est impressionnant, saisissant. C'est ce qui est saisissant, c'est ce qui m'a saisi la première fois. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment on peut entrer en relation avec cet univers. Cette notion d'initiation est tout le temps présente. C'est-à-dire vous avez un monde incompréhensible, uniquement perceptible aux initiés. C'est des choses que nous connaissons ici en France, hein, je veux dire. Petite nuance lexicale sur vous savez, dans la bonne ville de Loudun, il n'y a pas si longtemps, on a brûlé un sorcier. Hein, je veux dire, c'était au 19e siècle, donc c'était pas il y a un millénaire et demi. Petite nuance lexicale sur le terme « manger ». Quand on accuse un gamin d'avoir mangé son petit frère, sa grand-mère, etc., bouffé, dit-on d'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'il a commis un acte anthropophage. Ça veut dire qu'il a provoqué sa mort. Manger, c'est provoquer la mort d'eux aussi. Bon. Évidemment, lorsque tu t'accouples avec un démon sous forme humaine, ce qui sort de toi, ce n'est pas un ange. Hein. C'est un démon sous forme humaine qui sort de toi. Faut pas rêver.